à respirer l'air pur. Je trouve qu'on prend pas assez le temps de le faire. Sauf quand t'es allergique au pollen, mon vieux. Allergix, ça va, ça marche plutôt bien, c'est correct. Alors oui, il n'y a pas de blague dans le titre, pas de prank, je vous assure, YouTube m'en veut en ce moment. Alors pourquoi? Bah j'en sais rien. Je pense que je suis correct, hein, même plus que correct, mais visiblement, certainement pas assez. Ça fait déjà plusieurs jours que vous n'avez pas vu de vidéo sur la chaîne, et puis bah, du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Hein. J'ai mis un message sur ma chaîne secondaire, d'ailleurs, vous pouvez aller la checker dans la description. Bref, il y a 3-4 mois de ça à peu près, je reçois un mail de YouTube, et en général, quand tu reçois un mail de YouTube, c'est très rarement une bonne nouvelle. Tu vois, c'est soit pour des droits d'auteur, soit que ta vidéo est bloquée, soit pire, que tu as des strikes ou quoi, machin nanana, des avertissements. Bref, je reçois un mail de YouTube, et il me dit « Salut Jolotte, tu vas bien, machin nanana, tout ça ?» Je fais « Ouais, ok, pas de souci, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a deux de tes vidéos qui rentrent pas dans les normes de YouTube. Je fais « Comment ça, ça rentre pas dans les normes de YouTube ?» J'analyse les vidéos et tout, je regarde, c'est des vidéos réactions. Ok, je regarde, je fais appel parce que pour moi, en analysant bien les deux vidéos, c'est tout simplement un bêtisier qu'on peut regarder à la télé aux heures de grande écoute. Voilà, c'est des chutes et tout, tout ça. Bon, c'est vrai que YouTube, il aime pas trop quand il y a quelqu'un qui peut potentiellement se blesser ou quoi, mais quand c'est mamie Zazette qui fait une petite glissade sur le bord de la piscine, ça va, rien de grave, tu vois. Visiblement, non, c'est grave, c'est très grave même. On peut plus montrer mamie Zazette en train de se casser la gueule dans le sable ou dans l'eau. Bon, alors quand je dis c'est mamie Zazette qui se casse la gueule dans l'eau ou dans le sable, bien entendu, c'est peut-être un petit peu plus grave que ça, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que des fois, on a fait des vidéos réactions sur la chaîne, voilà, hashtag Choumi dans son bateau. Tout le monde le connaît sur la chaîne, je pense. Voilà, ça par exemple, YouTube, peut-être il aime pas trop ou je sais pas, tu vois. Bref, il y a deux de mes vidéos qui se sont fait striker en gros. Voilà, ils se sont fait supprimer par YouTube. Moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde les vidéos, comme je vous dis, pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder à un bêtisier à une heure de grande écoute à la télé. Donc, je fais appel et YouTube, il a rien voulu savoir. Voilà, il m'a effacé mes deux vidéos et puis point barre. Il m'a mis une mise en garde. Voilà, la première fois, il faut savoir que si ça vous arrive, vous recevez une mise en garde sur YouTube. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de conséquences sur votre chaîne, vous pouvez y avoir accès et tout. Ils vous disent simplement, attention, tu files d'un mauvais coton. Va falloir te calmer deux secondes, la prochaine fois, c'est la fessée. Bon, ok, suite à ça, je reprends toutes mes vidéos réactions. J'en jarte plein de la chaîne, mais vraiment, j'ai fait un tri mais énorme sur la chaîne. J'en ai viré des dizaines. Faut savoir qu'on a fait beaucoup de vidéos réactions sur la chaîne. Hein. C'est un contenu qui vous plaît beaucoup, c'est un contenu qui me plaît à faire. Et c'est également en grande partie grâce à des vidéos réactions que ma chaîne s'est fait connaître. En grande partie, pas que, bien entendu. Bref, je remets mes bottes, je me tiens bien droit dedans, à carreau, tout ça. 3-4 mois plus tard, je reçois un nouveau mail de YouTube. C'est rarement une bonne nouvelle quand vous recevez un mail de YouTube. Dis salut Jolotte, machin nana, c'est nous YouTube, tu te souviens de nous, comment tu vas depuis la dernière fois, ça va, tranquille et toi? Et donc, il m'a dit, tu te souviens, on t'avait prévenu. La première fois, c'est une mise en garde, pas de conséquences sur la chaîne. La deuxième fois, c'est un premier avertissement. Et donc, c'est le premier avertissement qui est tombé sur ma chaîne. Premier avertissement, conséquence sur la chaîne, bah, je peux, en fait, je peux quasiment plus avoir accès à ma chaîne, hein, tout simplement. Hein. Je ne peux pas poster de vidéos, je ne peux pas changer les miniatures, je ne peux pas changer les titres, je ne peux pas modifier des playlists. En fait, je ne peux rien faire sur la chaîne. J'ai juste accès, si, encore à mon tableau de bord et tout, mais sinon, je ne peux rien faire du tout. Pendant une semaine, je reprends la vidéo, tu vois, je regarde parce qu'il me strike encore une vidéo réaction. Encore une, hein, c'est que les vidéos réactions qui gênent les mecs, il n'y a que ça. Le reste, ça va. Je regarde la vidéo, il me montre le passage qui ne va pas, je fais « Ah ouais, effectivement, bon, ok, là, sur ce coup-là, j'ai peut-être un peu déconné, quoique, je veux dire, jamais dans mes vidéos réactions, vous allez voir quelqu'un se jeter du haut d'un bâtiment, quelqu'un se pendre, j'en sais rien, se trancher les veines ou quoi. Il n'y a pas de sang dans mes vidéos, les mecs. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de personnes qui se font mal ou pas terriblement mal, tu vois ce que je veux dire. Ça peut arriver que des fois, il y a des petites chutes ou quoi, voilà. C'est plus rigolo qu'autre chose. Bon, là, effectivement, je regarde le passage, c'est quelque chose qui aurait pu potentiellement être dangereux. Donc, je ne fais pas appel pour cette fois-ci. Voilà, je ne fais pas appel, j'accepte la sanction. Bien que la première fois, je ne l'ai pas accepté parce que pour moi, c'était un bêtisier qu'on pouvait écouter à la télé aux heures de grande écoute, hein, je vous le répète. Mais voilà, la deuxième fois, j'ai pas fait appel. Donc, avertissement, plus accès à ma chaîne YouTube. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. J'ai posté un petit message sur ma deuxième chaîne pour vous avertir. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu, ce message, mais c'est normal. Il n'y a pas grand monde qui est abonné à ma deuxième chaîne. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un avertissement? Alors, pendant une semaine, tu peux plus poster de vidéos, tu peux plus rien faire, hein, plus de titres, les miniatures, les playlists. Voilà, tu n'as quasiment plus accès à ta chaîne. Tu as 3 mois, 90 jours pour te remettre à carreau. Si pendant ces 90 jours, tu ne fais rien, ça se passe bien sur ta chaîne et tout, machin, ils n'ont rien à redire. Ton avertissement,
il va sauter. Il est enlevé, on repart à zéro. En fait, c'est un sursis. Si pendant ces 90 jours, tu vas récidiver, tu vas avoir un deuxième avertissement. Donc, deuxième avertissement, cette fois-ci, c'est pendant 2 semaines. Tu ne peux pas poster de vidéo. Donc, 2 semaines, pas de vidéo, bien sûr, hein, pas de titre, de miniature, de playlist et tout ça. Voilà, tu as encore 90 jours pour faire sauter ce deuxième avertissement. Si dans les 90 jours, tu récidives, tu as un troisième avertissement. Et là, mon gars, il te dit, allez, basta, c'est dehors. Ta chaîne, elle est supprimée, elle est fermée. Alors, je crois que sur la chaîne, c'est la première fois que je reçois un avertissement. Voilà, j'ai déjà eu des vidéos qui se sont fait bloquer, qui se sont fait supprimer. Non, pas supprimer, bloquer. Voilà, mais c'est toujours suite à des droits d'auteur ou quoi. Hein. J'ai eu des vidéos qui ont pris des limitations d'âge. Voilà. Mais tout ça, c'est sans conséquence pour la chaîne. Donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau des vidéos réactions? Eh bien, je sais pas. À part réagir sur des petits chatons tout mignons, des arcs-en-ciel et des licornes. Donc, je peux continuer de faire des vidéos réactions. Hein, y a pas de souci. Hein. Mais pas des trucs... trop violent, entre parenthèses, voilà. Sachant que j'ai jamais montré de trucs trop violents sur ma chaîne, quoi. J'ai toujours été clean avec ça. Donc là, je sais pas pourquoi ils m'en veulent. Voilà, je vais me tenir à carreau pendant ces 90 prochains jours, hein. C'est 3 mois. Voilà, et au bout de 3 mois, votre avertissement, il saute. Donc voilà, bien entendu, les vidéos vont reprendre. C'était pour vous avertir. J'ai pas chômé le temps que ma chaîne s'est fait bloquer, hein. J'ai fait quelques vidéos et tout, qui sont déjà montées, qui vont sortir sur la chaîne. Enfin, quelques vidéos, tout est relatif, hein. J'en ai pas fait 50, mais voilà, j'ai fait 2-3 vidéos et tout. Donc ça va sortir et tout. Et puis voilà, le rythme des vidéos va reprendre normalement, quoi. Sinon, n'oubliez pas d'aller checker ma deuxième chaîne. En ce moment, je teste un petit peu des bolides dehors. Je teste des trottinettes. On va tester des vélos bientôt sur la chaîne et tout, donc voilà, on se fait plaisir, on sort un petit peu et tout, tu vois, on va dans les chemins avec les petits bolides et tout, donc ça c'est cool. Vraiment merci à tous, hein, pour les likes sur les vidéos et tout. Bon, celle-ci, je suis pas sûr que c'est la vidéo la plus cool à mettre en avant, tu vois, mais bon, merci pour les likes sous les autres vidéos, merci pour les abonnements, tout ça, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Activez la petite cloche, bien entendu. Au final, c'était une vidéo assez courte pour vous annoncer ceci, hein, tout ça pour vous dire qu'on va revenir dans le game tranquillement. D'ailleurs, en parlant de game, il y a un jeu qui arrive sur la chaîne, je l'ai trouvé super cool. Je vous dis pas c'est quoi, mais il arrive très très vite. Et franchement, j'ai kiffé de ouf. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser là. Encore merci à toutes et à tous de me suivre, ça fait super plaisir. Et on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao. Et le vent est en train de se lever un petit peu. Il fait super chaud là. C'est un truc de ouf d'ailleurs.